beaucoup d'entre vous, pour ne pas souffrir, vous avez tendance à vous dire bah, « flûte, je vais laisser tomber ». La fuite, elle peut apparaître ainsi. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à rationaliser tout ce que tu fais. C'est-à-dire que le cœur n'y est pour rien, la psychologie non plus. Tu rationalises simplement, pas plus. Voilà. C'est-à-dire que quand on est un perdant, entre guillemets, qui va avoir tendance à ne pas être capable de se prendre dans le visage un échec, entre guillemets, vous connaissez la définition, c'est quelqu'un qui va trouver la capacité, une forte capacité à rationaliser. Et quand je dis rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Je veux parler d'excuses. Quelqu'un qui rationalise dans une situation d'échec trouve des excuses. C'est quoi une excuse? C'est pour rationaliser une situation d'échec notamment. Vous avez vu à quel point c'est sinueux? À quel point ça peut arriver à la plupart d'entre vous? Ne faites pas cela. Vous apprenez des leçons, vous rebondissez, vous analysez et vous changez d'approche. Et ne considérez pas chaque tentative infructueuse comme un échec en plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peu de gens réussissent du premier coup.